De quoi parle Coup de sifflet ? C'est l'histoire de Louise Rouvier, donc une jeune femme dans les années 50 qui vient dans un commissariat pour déposer plainte contre son mari. Et on découvre au fur et à mesure de la pièce pourquoi. Ça va en fait valser entre deux espaces. Elle raconte aux policiers sa déposition, elle les revit en direct avec, avec son mari. Son mari qui était un directeur d'un des plus grands théâtres de Paris, et qui ne la traite pas très bien. Il vous a frappé ? Non. Il vous a insulté ? Pas vraiment. Il a fait du mal ? Non plus. Il vous a violé ? Quelle question ? Eh bien, je m'appelle Nicolas Argutin, j'ai 24 ans, donc moi je joue le policier. C'est un policier dans les années 1940-50 qui a 24 ans, donc qui vient de commencer. Un petit flic qui commence et qui veut faire justice et qui pense que le métier est génial et en fait il se retrouve à faire de l'administratif et puis ça lui fait chier clairement de devoir prendre des plaintes de femmes qui pleurent, qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce qu'elle a. Et en fait il se retrouve confronté en fait à une situation à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Ce matin je veux que tu me promettes que nous allons avoir une discussion sans être interrompu. Ce matin, je veux que tu me promettes que la seule interruption sera mon point final à cette discussion. Sinon quoi ? Sinon je crois que je crie. Je m'appelle Aurélie Camus et du coup je suis comédienne et metteuse en scène. Le truc qui est vraiment génial dans cette pièce, c'est le rôle féminin que j'ai de la chance d'avoir et que je remercie beaucoup François. C'est une jeune fille du coup qui est née pendant la Première Guerre mondiale, qui a grandi à Paris, qui a été très jeune à travailler et qui travaille dans un bar et en fait elle rencontre son futur mari, donc Philippe Rouvier, qui est directeur du théâtre, dans ce bar et en fait il l'embauche en tant que secrétaire et ensuite ils se marient et après ils vivent leur vie de couple marié. Sache que j'ai beaucoup de travail, alors fais vite. Je serai rapide. Fais vite parce que j'ai une tonne de choses à faire, vois-tu. Je m'appelle Yann Coeslier, je suis comédien. Avant de jouer dans Coup de sifflet, j'ai roulé ma bosse depuis une petite quinzaine d'années. Mon rôle dans la pièce, c'est le personnage de Philippe Rouvier. Je suis un grand directeur de théâtre, un homme avec beaucoup de succès professionnel, mais aussi un homme de son temps, dans le sens très machiste, très patriarcal. Et ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Dès que ça réouvre, venez. Venez découvrir une histoire. Pour le rôle féminin, ça fait du bien. Venez découvrir quelque chose que vous n'avez pas vu. Faut venir, c'est tout.